de la journée et les candidats admissibles à la première délibération du baccalauréat session de juin 2019 sont en train de subir simultanément les épreuves sportives et les épreuves facultatives. Tout cela était prévu pour démarrer ce matin à 7 heures après la première partie des épreuves facultatives que nous avons eu l'occasion d'administrer aux premiers candidats qui sont passés le samedi pour ce qui concerne l'économie familiale et sociale et également les langues nationales. Je dois dire au passage que les copies de ces deux matières sont en train d'être corrigées ou ont fini d'être corrigées dans la matinée d'aujourd'hui. C'est terminé pour ce qui concerne les langues nationales. Il y avait moins de 40 copies au total, mais pour ce qui concerne l'économie familiale et sociale, les correcteurs sont encore à pied d'œuvre et s'il plaît à Dieu, d'ici à demain, ils vont déposer les BIC. Épreuve facultative, il y avait ce matin les candidats qui devaient composer en musique et tout à l'heure, dans l'après-midi, à partir de 15h, nous allons accueillir les candidats qui ont choisi de composer en dessin. Alors, dans le même temps donc, et les candidats qui doivent être dans le centre cet après-midi pour composer en dessin, c'est eux qu'on a retrouvés ce matin au sport. Il y a différentes épreuves qui sont administrées au titre des épreuves sportives. Il y a certainement la course, il y a le grimper, la gymnastique, je crois. Il y a plusieurs phases dans le déroulement des épreuves sportives. Et tout ça, les spécialistes savent comment gérer. Au même moment que nous organisons les épreuves facultatives et sportives au lycée Mathieu Bouquet de Parakou, il en est de même au centre de Kandi et de Bembereke. Donc à Kandi, il y a le sport et les épreuves facultatives, mais à Bembereke, il n'y a que le sport, tout comme au centre de Zongo, ici à Parakou. Donc le mercredi prochain, nous allons organiser la deuxième délibération qui nous permettra de déclarer définitivement admis les candidats qui auront réuni les 10 de moyenne et plus. Ceux qui n'auront pas réuni cette moyenne requise pour être déclarés admis, mais qui auront au moins totalisé 9 de moyenne, c'est eux qui seront invités à se présenter dans les centres indiqués le vendredi pour ce qui concerne les épreuves orales. Donc voilà un peu ce que va être la suite des opérations. Et après les épreuves orales, nous aurons la troisième et dernière délibération le samedi prochain. Et les rideaux du baccalauréat session de juin 2019 vont tomber.